Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, vous qui êtes disséminés à travers le monde, bienvenue à ces cadres d'échange, ces cadres de partage, ces cadres de débat sur tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, c'est mardi 10 mai 2022 en République démocratique du Congo. Ça brille pourquoi? Parce que il y a une décision ou une procédure des tirages au sort qui vient de s'effectuer à la Cour constitutionnelle. Et puis le président de cette haute cour, le président de cette grande juridiction de notre pays vient de tomber. Il s'agit de Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba vient de tomber lors de ces tirages au sort effectués à la Cour constitutionnelle. Que devrons-nous tirer de ces tirages au sort? Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à votre cadre d'échange et de partage sur Congo Live Télévision. Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba, c'est président il y a cour constitutionnelle à Siliko Kwea. À Siliko Kwea, na tirage au sort au Basiliko Sala. Dieudonné Kalouba, Azalaki, vraiment beaucoup plus connu après ses procès. Il y a feuilleton 100 jours, il était l'avocat de la République. Il était parmi l'un des avocats de la République. Il a démontré à la face du monde comment un vol ou un détournement peut être un vol intelligent. Comment peut-on voler intelligemment? Il a démontré vol intelligent, vol intellectuel, comme l'a qualifié Dieudonné Kalouba. Et puis, il a été porté par le chef de l'État désigné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de cette haute cour de notre pays, la Cour constitutionnelle. Après, bien évidemment, c'est qu'il y a eu, il y a d'autres acteurs politiques, notamment à l'époque, le partenaire du CASH, c'était le membre du FCC, qui ont accusé à tort ou à raison le chef de l'État de procéder par de s'élancer dans une procédure qu'ils ont jugée une procédure irrégulière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces tirages au sort? L'information est que le juge Prince Fouga, il y a trois juges qui sont tombés aujourd'hui, comme ça est de coutume. Après une année, on procède par un tirage au sort où trois juges tombent qui seront automatiquement remplacés. Donc la procédure normale est que le 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle, il y a trois juges qui sont présentés par la présidence de la République, par le président de la République comme institution. Il y a trois juges qui sont présentés par le Parlement comme institution. Il y a trois autres juges qui sont présentés par la magistrature. Donc, qui nous donne un total de 9 juges. Mais comme ça est de coutume, après une année, on procède par le changement. On procède par un tirage au sort où trois juges tombent qui sont automatiquement remplacés par donc trois juges, c'est-à-dire en raison d'un juge par chaque composante, composante magistrature, composante présidence de la République, composante parlement. Donc, dans les trois que le parlement envoie, c'est un juge qui tombe. Dans les trois que la présidence envoie, il y a un juge qui tombe également. Et dans les trois autres que la magistrature on voit, il y a un autre juge qui tombe, ce qui nous donne le total de trois. Les trois juges qui tombent seront bien évidemment remplacés par les trois autres juges envoyés par chaque composante
qui envoie ces différents juges. Aujourd'hui, à la composante présence de la République, les trois juges de la présence de la République, comme on dit, aujourd'hui, Dieudonné Kalumba est tombé. Dieudonné Kalumba est tombé, mais il peut aussi rentrer. Il y a plusieurs probabilités à en croire la lumière faite par les éminents avocats, les éminents juristes. Dieudonné Kalumba peut rentrer à son poste si seulement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a la confiance à Kalumba, peut reconduire malgré qu'il est tombé, il peut à nouveau être désigné par le chef de l'État. Mais est-ce le chef de l'État va désigner Dieudonné Kalumba? Plusieurs questions maintenant taraudent les esprits de plus d'un Congolais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieudonné Kalumba tombe? Déjà, après les tirages au sort qui viennent de s'effectuer à la Cour constitutionnelle de notre pays, les cabinets ou l'entourage de Dieudonné Kalumba crie déjà à l'irrégularité. Les membres du cabinet de Dieudonné Kalumba parlent d'une irrégularité, d'une fraude suicidaire à l'état de droit. Le cabinet de Dieudonné Kalumba parle d'une fraude suicidaire à l'état de droit. On sait qu'aujourd'hui, Dieudonné Kalumba est là parce qu'il y a eu cet état de droit. L'état de droit que le chef de l'État a instauré dans ces pays. L'état de droit que d'aucuns pensaient qu'aujourd'hui il y aura cette sorte de libertinage où chacun pouvait faire des choses comme bon les semble. Mais on se rend compte, la justice est en train de faire son travail. Qu'est-ce qui fait que les bureaux des Dieudonné Kalumba, président qui fut président de la Cour constitutionnelle, puisse crier à une fraude suicidaire, puisse parler d'une irrégularité? On va maintenant creuser avec vous, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, des informations qui se racontent autour du palais. Est-ce que Dieudonné Kalumba, qui est le président de la Cour constitutionnelle, a toujours la confiance du chef? Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait toujours confiance à Dieudonné Kalumba? Est-ce cette procédure? Ce n'est pas une crise de confiance entre le président de la République et Dieudonné Kalumba, qui est président de cette haute cour de notre pays, qui est la Cour constitutionnelle. On va essayer d'analyser deux faits, premièrement, avant d'arriver à la conclusion. Premièrement, vous connaissez bel et bien l'affaire François Béa. François Béa a été arrêté, transféré, retenu premièrement au géol de l'ANR et puis transféré à la prison centrale de Makala. Pourquoi François Béa a été arrêté? Parce qu'il y a eu des signaux, il y a eu un mouvement déstabilisateur. Il y a eu des signaux qui touchaient à la sûreté de l'État. On voulait renverser ce pays. On voulait renverser ce régime. Raison pour laquelle la bienveillance ou la surveillance accrue de notre service de sécurité a fait qu'on puisse mettre la main sur François Béa qui voulait toucher à la sûreté de l'État. Vous êtes sans ignorer. À un moment donné,
On a parlé de l'arrestation de Dieudonné Kalouba. Dieudonné Kalouba a arrêté, Dieudonné Kalouba a arrêté. Parce que on suspectait du fait que Dieudonné Kalouba travaillait en connivence avec François Béat. Plusieurs informations dignes de foi parlent de cette connivence entre Dieudonné Kalouba et François Béat. À un certain moment, il y avait de policiers autour de sa résidence. Dieudonné Kalouba arrêté, Dieudonné Kalouba arrêté, l'information a été démentie. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, Matata Ponyo, Mapo, qui fut le premier ministre honoraire, bien évidemment, dans notre pays, la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, accusé, malgré qu'il jouit jusqu'à ce jour de la présomption d'innocence, Matata Ponyo, accusé des détournements de plus de 200 millions de dollars américains du projet de Bukangalonzo. Matata Ponyo, accusé de ces problèmes de la zarianisation, l'indemnisation de faits zarianisés. Aujourd'hui, le Bukangalonzo ne produit pas parce que l'argent qui a été affecté à ces projets Bukangalonzo a été détourné. Parmi les personnes ayant détourné cet argent, c'est le nom de Matata Ponyo qui a été cité parce que il s'agit de lui qui pilotait ces projets de Bukangalonzo. Matata Ponyo, il y a eu cette convocation. Matata Ponyo convoqué par le parquet général, le procureur général près la cour constitutionnelle, convoque Matata Ponyo sur le fait avéré. Bukangalonzo, aujourd'hui, c'est un échec total. Bukangalonzo, il y a eu des fonds qui ont été détournés. La population congolaise voulait attendre, savoir la vérité sur les faits, sur le détournement de Bukangalonzo. Matata Ponyo déféré devant la Cour constitutionnelle, c'est le juge Dieudonné Kalouba qui est le président de cette haute cour de notre pays qui estime que la Cour constitutionnelle est incompétente de juger Matata Ponyo. Au moment où les faits sont là, le projet Bukangalonzo est là, l'argent a été détourné, dilapidé par des personnes qui sont citées. On veut que la justice soit faite, les droits soient dits par rapport à ces projets, mais on s'est rendu compte que la Cour constitutionnelle, qui est la Cour suprême de notre pays, se déclare incompétente de juger ou d'intenter Matata Ponyo en justice. Ce qui est grave, deux faits déjà. Le premier fait, on parle de cette connivence de juge Kalouba avec François Béat. François Béat qui voulait déstabiliser ces institutions, qui voulait renverser le régime de Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo. Il y a eu ce procès, ou cette convocation, où la Cour a estimé être incompétente de juger Matata Ponyo, pendant où la population tout entière, l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo voulait coûte que coûte savoir la vérité. Si Matata Ponyo est coupable des faits lui reprochés, qu'il soit incarcéré, que l'argent détourné soit retourné au trésor public. Mais on s'est rendu finalement compte que la Cour s'est proclamée incompétente de juger Matata Ponyo. Des faits. Est-ce que ce n'est pas, maintenant, on s'interroge bien évidemment avec vous qui nous suivez, est-ce que ce n'est pas le fait pour Dieudonné Kalouba, en étant président de cette haute cour de notre pays, de la Cour constitutionnelle, d'être suspecté de travailler en connivence avec François Béat, d'être suspecté
de ne pas élaborer, de ne pas élaborer ou de ne pas débattre, de ne pas intenter ces détournements du parc agro-industriel de Bukangalonzo, de faisant croire aux gens que la cour était incompétente de juger Matata Ponyo. Est-ce que ce n'est pas ces deux aspects des choses qui ont fait que aujourd'hui Dieudonné Kaluba soit tombé? Est-ce qu'il y a crise de confiance entre Dieudonné Kaluba et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de lui le président de cette haute cour de notre pays? Est-ce qu'il y a confiance? Est-ce qu'il y a crise? À la lumière de ces défaits que je viens d'énumérer, on serait tenté d'affirmer, bien évidemment, qu'il y a crise. On serait tenté d'affirmer qu'il y a crise entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et Dieudonné Kaluba, l'homme au détournement intellectuel. Est-ce que Dieudonné Kaluba, Moana Diboa, est-ce qu'il y a... Parce que s'il a la confiance du chef de l'État, si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à faire confiance à Dieudonné Kaluba, il a toutes ses chances d'être reconduit. Est-ce qu'il sera reconduit? À la lumière de fait, est-ce qu'il sera reconduit? Est-ce que Dieudonné Kaluba sera reconduit? Plusieurs questions se posent. Plusieurs questions taraudent aux esprits des plus d'un Congolais. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 ans? À la tête, parce qu'il crie déjà à l'irrégularité, il crie à une fraude suicidaire. Est-ce qu'il y a une fraude suicidaire? Est-ce qu'il y a l'irrégularité? On dira non. Aujourd'hui, l'état de droit, c'est quelque chose, c'est comme un enfant auquel nous devons bien surveiller, contrôler, comme une fleur. Une fleur à laquelle nous devons chaque jour arroser pour que cette fleur fleurisse de plus en plus. Dieudonné Kaluba est tombé. Juge Prince Fouga est tombé. Donc il y a une autre procédure qui sera déclenchée. Il y a une autre procédure qui sera déclenchée. La procédure de sélection. Au niveau de la magistrature, au niveau de la présidence de la République, c'est-à-dire le président lui-même, Félix Tshisekedi, qui va désigner, et au niveau du Parlement, est-ce que Dieudonné Kaluba a encore la confiance du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État peut à nouveau faire confiance à Dieudonné Kaluba? Est-ce que Dieudonné Kaluba, n'est-ce pas vrai, toutes ces reproches faites, travailler en connivence avec François Béa, vouloir à tout prix, par son propre gré, faire déclarer la cour incompétente? Donc aujourd'hui, il y a de grincements de dents à un autre camp. Un autre camp s'est réjoui parce que la ligne est déjà taillée. On ne peut pas avoir un président de la Cour constitutionnelle qui sème de doutes. Un président de la Cour constitutionnelle qui n'a pas l'unanimité, qui ne fait pas l'unanimité. Est-ce Dieudonné Kaluba à la confiance du chef? Aujourd'hui, lorsque le membre du cabinet de Dieudonné Kaluba
sont en train de parler de vice de procédure, d'une procédure irrégulière. Ce n'est pas une matière à réflexion. N'est-ce pas là une matière à réflexion pour dire que toutes les reproches faites à l'endroit des Kalouba sont-elles vraies? Sont-elles vraies? Donc aujourd'hui, l'opinion doit le mettre. L'opinion doit savoir que Dieudonné Kalouba, pour aujourd'hui, à la date de ces 10 mai, on est le mardi, 10 mai 2022, et qu'il y a eu tuerage sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, il y a eu tuerage. Il y a eu tirage au sort à la Cour constitutionnelle, justement pour faire voir à l'opinion nationale et internationale que l'état de droit existe. Il y a bel et bien l'état de droit en République démocratique du Congo. Il y a eu tirage au sort, les trois juges sont tombés, ça reste six. Les trois juges seront remplacés. Mais la question que nous sommes posés aujourd'hui, parce qu'on est dans un espace d'échange, un espace de débat, un espace de communion entre moi et vous qui nous suivez à travers le monde, vous qui nous suivez en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à l'Ukraine, en Russie, vous êtes là en train de suivre. Les tirages au sort, c'est une expression de l'état des droits, une expression démocratique en République démocratique du Congo. Donc, pour l'instant, la page Kalouba est tombée. Le fait dont je viens de vous faire l'illustration, si seulement cela est avéré, c'est difficile que Dieudonné Kalouba puisse regagner son siège du président de la Cour constitutionnelle. Il faut s'attendre à un autre juge qui sera choisi par le chef de l'État pour succéder à Dieudonné Kalouba. Aussi le temps de donner aussi vos opinions, parce qu'on est ici pour partager des idées, on est ici pour partager les avis par rapport à cette grande actualité qui vient de tomber. À cette grande actualité qui vient de tomber, voilà, vous pouvez, vous aussi, là où vous êtes, nous suggérer quelque chose, parce que nous tous, nous avons besoin d'un Congo fort, d'un Congo prospère, d'un Congo où il y a l'état de droit, d'un Congo où il y a la démocratie, d'un Congo où il fera bon vivre, où personne quittera ce pays pour se contenter à vivre à l'étranger. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous vous dites que non, voilà, je dois retourner à mon pays, la République démocratique du Congo, parce qu'il fait bon vivre. Pas question de suspicion, la procédure a été respectée, les trois juges sont tombés, parmi lesquels Dieudonné Kalouba. C'est à vous aussi de prendre votre stylo, de toucher votre clavier pour donner votre avis, pour donner votre suggestion, votre idée par rapport à cette actualité dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons vraiment un terme. Je vous retrouve très prochainement pour un autre cadre d'échange, un autre cadre de partage. Ça se passe toujours ici à Congo Live Télévision. Au revoir. We'll be right back.